En Allemagne, le parti populiste AfD demande la démission d'Angela Merkel. Il accuse la chancelière d'avoir perdu le contrôle dans la crise migratoire alors que le pays s'attend à accueillir 1 million de migrants et réfugiés en 2015. Frauke Petri, la patronne du parti, a lancé à ses troupes réunies au congrès à Hanovre qu'Angela Merkel devait partir car elle est selon elle incapable de régler la crise actuelle, qui est une crise démocratique, beaucoup plus profonde que la crise de l'euro, la crise de l'Union européenne et aussi la crise migratoire réunie. Créée en 2013 sur une ligne initialement anti-euro, Alternative pour l'Allemagne a subi un brutal déclin avant de connaître une récente embellie dans les sondages à la faveur des inquiétudes suscitées en Allemagne par l'afflux de migrants. Selon une enquête récente, l'AfD totaliserait 10,5% des voix, ce qui en ferait le troisième parti politique d'Allemagne.